Salut, c'est Shep, bienvenue dans cette nouvelle Marvel JCE TV. Aujourd'hui, je vous propose une petite partie en solo avec un deck Captain Marvel agressivité contre Klaw, le deuxième méchant de la boîte de base. Donc voilà, l'avantage de ce jeu, c'est qu'il est extrêmement rapide et simple à mettre en place. Il ne prend pas beaucoup de place. Et donc, cela va sans doute faciliter la lecture de la partie. Alors, la mise en place me dit, chercher la manigance annexe réseau de défense dans le deck de rencontre et révélez-la, mélangez le deck de rencontre. Une fois révélé, placez une menace supplémentaire par joueur sur cette carte. Donc, il y en a trois. Réseau de défense a comme caractéristique d'être une manigance annexe qu'il faut pouvoir qu'il faut vaincre, qu'il faut résoudre avant de pouvoir mettre des jetons sur la manigance principale, hein, c'est ce que signifie la petite icône avec le point d'exclamation. Alors normalement je dois faire ma main de départ avant, mais c'est une mise en place fixe, ça ne change pas grand chose. Alors je vais me battre contre Klaw. Klaw qui a une interrupte 2 de manigance, 0 d'attaque, mais une interruption forcée quand Klaw attaque. Donnez-lui une carte de boost supplémentaire pour cette activation. Alors, ma main de départ, 6 cartes, donc Carol Danvers, 12 points de vie, Klaw, 12 points de vie dans sa forme 1. Ah oui, je vais peut-être attendre avant de faire la suite de la mise en place parce que celle-là n'est pas fixe la suite. Donc, ma première main. Alors, dans ce jeu, j'ai quand même souvent tendance à considérer que le mulligan, bah, à moins d'avoir évidemment un build bien spécifique, le mulligan n'est pas spécialement ce qu'il y a de plus important. Alors, c'est vrai qu'une main de départ pareille, c'est pas génial. Maintenant, je sais que c'est aussi des cartes que je n'aurai plus disponible avant que je n'ai cyclé mon deck, parce que les cartes sont défoncées et ne sont pas remélangées dans le deck de rencontre, les cartes de mulligan, et de toute façon toutes les cartes sont des ressources, donc moi j'ai souvent tendance à considérer que je fais avec ce que j'ai et puis je vois, j'avise. À partir du moment où la mise en place n'a pas quelque chose de bien particulier, alors si, il y a une manigance annexe qu'il faut quand même résoudre, donc voilà. J'ai pas vraiment de cartes qui me permettent de gérer la manigance en main, mais j'ai de quoi mettre des dégâts au cas où il y aurait un ennemi qui pop. Je crois que c'est le cas. Hein. Dans Klaw, je crois que la mise en place nous dit qu'il faut qu'un sbire soit défaussé. Donc, sachant cela, j'ai des dégâts directs pour mettre sur les sbires, et je vais encore piocher une carte Carol Danvers, en espérant que ce soit une carte exploitable. Sinon, bah, je mettrai le casque. Hein. Voilà, c'est le genre de choses. Voilà, moi, je trouve que c'est toujours facile de se dire, bah, je fais avec ce que j'ai en main. Donc, moi, je joue avec cette philosophie-là pour le moment, vu que les builds ne sont pas encore très, très développés. Je joue avec ce que j'ai en main. Donc, je vais garder cette main de départ. Et donc, enfin, quoi que, je me demande quand même si je ne vais pas défausser quand même les urgences. Pour quand même prendre deux cartes, hein, parce que les urgences, c'est quand même pas, c'est pas une carte extraordinaire, et puis en main, tour 1, c'est encore moins extraordinaire. Hop. Ok. Voilà, j'ai échappé à Haymaker et à empêcher les conflits. Ok. Bien. Donc, suite de la mise en place, défausser des cartes du deck de rencontre jusqu'à ce qu'un sbire soit défaussé, mettez en jeu ce sbire engagé avec le premier joueur. Alors, ce genre d'effet, hein, défaussé jusqu'à, dans Marvel, c'est quand même pas génial. Pourquoi ? Bah parce que quand le deck de rencontre est vide, eh bien, on place un jeton d'accélération sur la quête en compte. Si vous n'avez pas de bol au niveau de la défausse et que la carte que vous cherchez est dans le fond du deck de rencontre, ben boum, vous mangez un jeton accélération. Et j'ai un fondeur. Le joueur engagé doit défendre contre les attaques effectuées par le fondeur avec un allié qu'il contrôle si possible. Voilà. Fin de la mise en place. C'est parti, premier tour. Alors, bah je vais me débarrasser du fondeur. Je vais jouer un assaut implacable. Deux énergies. Avec une carte énergie. Et je joue assaut implacable. Infliger. Ah oui, c'est action de héros. Ah, je ne peux pas le faire tout de suite, pardon. Il faut
faut que je sois en forme héros. Donc, bah écoutez, je vais d'abord activer Carol Danvers pour piocher encore une carte. Pouvoir de l'agressivité. Ok. Ah bah c'est très bien ça, je vais pouvoir jouer à soi implacable avec ça. J'ai utilisé sa capacité, je vais switcher en mode héros. Et donc maintenant, je peux jouer avec le pouvoir de l'agressivité, qui me donne donc deux icônes si je joue une carte agressivité, ce qui est le cas. Assaut implacable. Assaut implacable me permet d'afficher 5 dégâts à un sbire. Il a 5 points de vie. Le fondeur est immédiatement vaincu. Voilà, c'est déjà une bonne chose de fait. Avec Captain Marvel, je vais contrer. Ça me paraît indispensable. Ensuite, qu'est-ce que je peux faire avec ce que j'ai en main? Ah, j'avais aussi empêché des conflits qui peut me permettre de retirer la manigance de réseau de défense et donc déjà être débarrassé de cette manigance annexe. Et puis un petit Haymaker pour mettre 3 dégâts sur Claw. Allez. Je joue énergie, donc il me procure 2 icônes d'énergie pour jouer empêcher les conflits, retirer 2 menaces d'une manigance. Bah, il n'y en a qu'une. Voilà. Et donc je résous au maximum l'effet de la carte. Quand je ne peux pas résoudre les deux, bah, je résous au maximum. Ceci est vaincu. Voilà. Et donc je vais pouvoir déjà gérer la manigance principale. Et je suis aussi dans l'optique de exploiter un maximum les cartes que j'ai en main. Donc, 2 icônes, 2 ressources pour jouer Haymaker, infliger 3 dégâts à un ennemi. Claw passe à 9 dégâts. 9 points de vie. Voilà. Hop. Et voilà. Alors, je refais ma main de 5 cartes cette fois. Ah, voilà un allié. Ah oui, ça va être une main par contre compliquée au niveau de qu'est-ce que je vais jouer. Tag team, c'est très bien aussi. Un allié, c'est toujours bien aussi. Ah, on verra. Je redresse mes cartes et c'est au tour du méchant. Alors, d'abord, avancement. Donc, je me rajoute 1 par joueur sur la manigance principale. Ensuite, Claw. Je suis en forme de héros. Donc, il m'attaque. Il m'attaque alors, quand Claw attaque, donne-lui une carte de boost supplémentaire pour cette activation. Donc il attaque à 0 de base, mais il peut vite monter. Alors 1, 2, attention, boost, si cette activation vous inflige des dégâts, inclinez votre héros. Ok, donc je subis 2 dégâts, à cause des 2 petites étoiles de boost. Et j'incline le héros. Et maintenant, une carte de rencontre que je dois résoudre. Hop. Waouh, le requin-tigre. Ok. Après qu'il a attaqué, infligez-lui, donnez-lui une carte d'état tenace. Il a 3 d'attaque. Ouh. Ouh. Ça pique. Eh bien, c'est à mon tour. Ouais. Bon, bah écoutez, j'ai un assaut implacable en main. Je crois que ça va être une solution. Pour déjà mettre 5 dégâts au requin tigre, le problème c'est que je ne vais pas réussir à le vaincre en un seul tour. À moins que je n'essaie de choper une carte qui va m'aider en utilisant l'action de Captain Marvel. Bah écoutez. De toute façon, empêcher les conflits, je ne jouerai pas ce tour-ci. Donc, je vais dépenser une ressource énergie. Je soigne de 1 point de dégâts Captain Marvel et je pioche une carte. Ho, ho, ho! De la ressource! Et ça, c'est excellent! Ça, c'est excellent! Ah ben oui, évidemment, ça change beaucoup, beaucoup de choses. Je vais pouvoir jouer les deux. Alors, Mockingbird ou pas Mockingbird, ben ici, je crois qu'elle n'est pas suffisamment... je peux sonner un ennemi. Ok, mais vous savez, la bonne vieille règle de un ennemi, un bon ennemi est un ennemi mort, s'applique tout aussi bien à Marvel qu'à Arkham, selon moi. Donc, je vais m'assurer de détruire le requin-tigre avant même qu'il ne m'attaque.
Comme ça, il n'aura pas son tenace et il ne va pas m'embêter. En plus, il attaque à 3, donc il faut s'en débarrasser le plus vite possible. Et ça, il faut quand même bien avouer que l'aspect agression, agressivité en français, pardon, que l'aspect agressivité est quand même bien pratique pour ça. Alors, tant pis pour le héliporteur. Je n'ai pas le temps pour le jouer. Je pense que je dois absolument gérer le requin-tigre tout de suite. Donc, je vais jouer un assaut implacable en dépensant 2 ressources qui sont 2 ressources de con. Ah oui, attendez un petit peu. Je me demande si je n'aurais pas intérêt à faire dans l'autre sens. Oui, je vais faire dans l'autre sens. Je vais d'abord dépenser 3 ressources énergie avec absorption d'énergie pour mettre en jeu une équipe tactique. 3 jetons d'attaque. J'acquis une équipe tactique pour infliger 2 dégâts à un ennemi. J'utilise l'équipe tactique pour infliger 2 dégâts à mon requin-tigre. Voilà. Ensuite, je dépense 2 ressources, qui sont 2 ressources de force, de combat. Hop, je joue, comme je suis en forme de héros, je peux le faire. Un autre assaut implacable. J'afflige 5 dégâts à un sbire, et si j'ai dépensé une ressource de force pour payer cette carte, une ressource physique, il faudrait que je me mette en tête le nom exact des ressources, histoire de ne pas... Donc, il y a énergie, il y a... C'est physique, hein, c'est physique. Okay, physique, mental et énergie. Okay, donc une ressource physique. Donc pour payer cette carte, cette attaque gagne déferlement, ça veut dire que le surplus de dégâts sont affligés aux méchants. Donc j'en mets 4 sur le requin-tigre, il est détruit, et le 5e va sur Clo. Je suis donc à 8 points de vie pour Clo. Et le requin-tigre est vaincu, et ça c'est bon. Ouh. Les maîtres du mal, ils sont quand même chauds à gérer, hein. Ils sont quand même chauds. Ah, ils sont bien bien chauds. Ben voilà, je ne peux plus rien faire d'autre, donc je vais refaire ma main. 5 cartes. 5. Je redresse mes cartes et c'est au tour du méchant d'attaquer. Alors, on avance la manigance principale, passe à 2, et Clo va m'attaquer. Hop, hop, 2, 3, 3 dégâts. C'est bien de voir partir l'ombre du passé. Je passe à 8. La carte de rencontre. Hop là. Alors, corps de son solidifié. Attachez cette carte à Clo. Clo gagne riposte 1. Ok. Dépensez les ressources suivantes, une ressource de chaque sorte, pour défausser cette carte. Oui. Alors, ouais. Une ressource de chaque sorte. Ça, je ne peux pas le faire ce tour-ci. Alors, donc c'est à chaque riposte, c'est après que ce personnage a été attaqué. Donc, attaquer, ce n'est pas... C'est quand il y a action. C'est quand le héros attaque, il dit s'incline pour attaquer, ou bien s'il y a une action de héros attaque sur les cartes. Donc là, par exemple, mon rayon photonique, si je l'utilise, boum, je me prends un riposte 1. Et ça, ça reste attaché au méchant. Aussi longtemps qu'il est vivant. Mais bon, de toute façon, je pourrais pas le défausser, ça c'est une certitude. Par contre, les dégâts directs, ça, c'est pas une action d'attaque, donc je mets 2 dégâts à Clo, il passe à 6. Alors, j'ai une ressource énergie à dépenser, donc j'ai utilisé la capacité recanalisée de Captain Marvel, je dépense une ressource énergie, je soigne 1 dégât de Captain Marvel, et je pioche une carte. Alors, riposte 1, il va quand même faire mal. Hein. Il va faire mal. Et Maker, c'est une action d'attaque, donc il y a riposte. Rayon photonique, c'est une action d'attaque, il y a riposte. Hypercute, c'est une action d'attaque, il y a riposte. Bon.
Rayon photonique est meilleur que Uppercut dans la situation présente. Ça, c'est le même coup, c'est le même effet, 5 dégâts, mais ici, j'ai la possibilité de piocher une carte. Uppercut ne me le permet pas. Donc, je vais dépenser 1, 2, 3 ressources, dont une énergie, pour jouer Rayon photonique, infliger 5 dégâts à un ennemi. Si vous utilisez une ressource énergie pour payer cette carte, piochez une carte. On ne sait jamais. C'est peut-être piocher une carte qui va me permettre de jouer Maker. Donc, il n'y a plus que 1 point de vie sur Claw, mais je prends un dégât supplémentaire. Non, ça ne va pas me permettre de jouer Haymaker. Alors, je ne vais pas attaquer Captain Marvel pour éliminer le dernier dégâts de Claw, dernier point de vie de Claw. Par contre, je vais gentiment contrer. Et je pourrais passer... Non, je ne vais pas passer en Carol Danvers tout de suite. 8 points de vie, normalement, je vais survivre ce tour-ci. Il manigance à 2, hein, Claw. Plus le boost, ça peut quand même monter très très vite. Donc là, c'est toujours un choix. Donc le jeu, c'est pas que de l'opti à chaque tour. C'est aussi des choix. Ici, je peux choisir. Il n'y a rien sur la manigance principale. Il n'y a pas de jeton. Donc je peux me permettre... une manigance de Claw, ça ne me fera pas avancer. J'ai en main de quoi retirer des jetons de la manigance, de la menace de la manigance. Et donc j'ai la possibilité, au prochain tour, de me retourner sur Carol Danvers, d'utiliser sa capa pour me soigner. Et puis après, au tour suivant, je serai full life pour pouvoir retaper. Le Claw, il va perdre son dernier point de vie en principe avec mon équipe tactique. Et j'ai encore donc la possibilité de retourner sur Carol Danvers, la carte. L'avantage, c'est que ça me prend quand même deux cartes de plus en main pour pouvoir... Ah oui, mais attendez, si je le fais maintenant, je peux déclencher la capa de Carol Danvers et je peux jouer mon Haymaker éventuellement. Mais c'est pas opti, 3 dégâts. C'est pas urgent de le tuer tout de suite. De le faire passer à l'étape 2 tout de suite. Allez. Comme la manigance est vide, hop, je switch. Je vais quand même déclencher son action. Nick Fury. Ah, moi, c'est pas mal. Un gardé. C'est cher, mais c'est une option. Et c'est tout. Parce que j'ai déjà incliné mon héros. Il peut pas utiliser sa récupération. Je pioche jusqu'à avoir 6 cartes en main, parce que du côté Carol Danvers... Ah, Spider-Woman aussi, il va falloir faire des choix. Je redresse. Et c'est l'activation. Alors, d'abord on avance, puis l'activation de Claw. Une seule carte de boost, parce qu'il manigance ici, je suis sur ma face alter ego. Alors, boost, défausser une carte prise au hasard dans votre main. Alors, je n'ai pas mon dé sous la main, j'ai 6 cartes en main, on va vite résoudre ça. Toujours avoir un dé sur soi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Hop. 10, ce sera celle-là. Hop. Ok, vol cosmique, ce n'est pas bien grave. Voilà. Et donc, la manigance avance de 2 supplémentaires, on passe à 3. La carte de rencontre. Pas l'oublier, celle-là. La vengeance de Claw, traîtrise. Je suis en alter ego. Défaussez une carte prise au hasard dans votre main. Il faut révéler alter ego. Pas décidément. Décidément. Même chose, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Si je fais 11 ou 12, je relance. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eh bien, j'ai de la chance. Hein. Ce sont les cartes à petites ressources qui s'en vont. Donc j'ai gardé mon Nick Fury, j'ai gardé ma Spider-Woman, j'ai gardé mon absorption d'énergie, j'ai gardé mon Haymaker. Donc j'ai beaucoup beaucoup de réussite là-dessus.
Bien, bien, ben, tour suivant. Je suis sous forme de Carol Danvers. J'utilise la Faxa capacité commandante. Je pioche une carte. Station Alpha Flight, c'est une bonne carte aussi ça. Mais là, je n'ai clairement pas le tempo pour la jouer. Oh, quoique, on va voir. Alors, la question. Je vais utiliser l'équipe tactique pour infliger les deux derniers dégâts à Claude. Claude. Donc ce n'est pas une attaque, hein, donc il n'y a pas de riposte. Claude passe en forme 2. Une fois révélé, cherchez la manigance annexe Claude, l'immortel, dans le deck de rencontre, appuyez le défaut de rencontre, révélez-la. Je vais vérifier si elle n'est pas ici. Si, elle est là. Ça m'évite un mélange. Oui, vous voyez, je fais des efforts pour mélanger moins. Donc, Claude l'immortel, ça nous dit quoi? Ça nous dit que Claude gagne 10 points de vie. Quand cette manigance est déjouée, Claude perd ses points de vie. Donc, il y a 3 menaces sur cette manigance annexe par joueur. Et il y a un jeton d'accélération. Ça, c'est moins cool. Beaucoup moins cool. Voilà. Et alors, même chose, l'interruption forcée, c'est la même chose. Il y a une carte de boost supplémentaire quand il attaque, mais il a 1 d'attaque. Il est un peu plus fort, et donc il est à 18 pour l'instant. Plus 10, il est à 28 points de vie. Notre ami Claude. Ensuite, que fais-je? Toujours la question, est-ce que je récupère ou bien est-ce que... Et là, j'ai plutôt des cartes pour mettre des dégâts. Maintenant, Spider-Woman, ça désoriente le méchant. Le timing est moins bon ici. Désorienter, c'est quand même bien pour l'empêcher de manigancer. Bien, Nick Fury, ben, voilà, hein, il peut tout faire. Alors, si je joue Spider-Woman... Je peux contrer. Je contre aussi avec Captain Marvel derrière. Comme ça, je me débarrasse de la manigance annexe. J'aurai éventuellement un allié pour défendre quand ce sera un peu chaud. Ouais. Ça me paraît être le mieux, hein. Donc, je joue absorption d'énergie en ressources, évidemment. 3 ressources énergie. Je mets en jeu Spider-Woman. Je désoriente le méchant. Alors, le jeton désorienté il va rester là un certain temps, hein, donc c'est pas du tout un souci. Je vais switcher en Captain Marvel. Alors, est-ce que je joue le Haymaker? Bien, je tente la station Alpha Flight. Ouais, c'est quand on est Carol Danvers qu'on pioche 2 cartes. Je vais donc d'abord, je vais d'abord contrer avec Spider-Woman. Elle prend un dégât. Hein, elle a une petite étoile, une petite icône de dégâts. Hop, je me débarrasse de Manigance sur Claude l'Immortel. Je vais contrer aussi avec Carol Danvers, avec Captain Marvel. Hop, terminé pour Claude l'Immortel. Il perd 10 points de vie d'un coup. C'est appréciable. Hop, voilà. Et tant que j'y suis, 2 ressources. Je joue Haymaker. Action des rois attaque, inflige 3 dégâts à un ennemi. Passe à 15. Mais comme c'est une action d'attaque, je subis un dégât de riposte. Voilà. Je repioche 5 cartes. 5, il y a du dégât direct, c'est très bien. Je redresse mes cartes et c'est au tour du méchant. Alors, il va. Alors, activation d'abord. Activation de 1. On passe à 4. Enfin, pardon, c'est pas activation, c'est avancée de la manigance principale. Puis activation du méchant. Bon, il me reste 7 points de vie. Ce serait quand même un concours de circonstances incroyable que je meure. Donc, je vais subir l'attaque sans défendre avec quelqu'un. 2.
fais 3. Voilà, c'est tout. 3. 3 pour 3 dégâts, je passe à 4. Par contre, si j'ai une carte, la carte de rencontre dit Claw attaque. Ah oui, mais là je peux toujours défendre avec Spider-Woman. Donc il n'y a pas de souci. Et hop. Une manigance annexe. Fabrique d'armes clandestines. Une fois révélée, placée 1. Une menace supplémentaire par joueur sur cette carte. Donc il y en a 4. Et cela révèle une carte de rencontre de plus. Oui, ça c'est beaucoup moins drôle. Deux cartes de rencontre, ça peut faire très mal. Maintenant, je suis plus très loin de la fin de partie. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Rayon photonique pour 5 dégâts. Tag team, c'est 6 dégâts mais sur le long terme. Rayon photonique, c'est 5 dégâts directement. Je peux pas jouer les deux a priori, du moins pas comme ça. Mais j'ai tout intérêt peut-être à passer sous forme de Carol Danvers. Et je vais utiliser, recanaliser avant. Hop, je défausse une ressource, je gagne un point de vie. Je passe à 5. Je pioche une carte. Qui est magnifique, je pioche une persévérance. Pas terrible hein, comme carte persévérance, mais c'est une icône d'énergie et c'est bien. Vous avez remarqué que je joue Captain Marvel et je n'ai pas encore vu une seule de mes énergies canalisées. Elles sont toutes les deux dans le fond du deck. Quand même, le gros DPS de Captain Marvel et n'est pas là. Bon. Très bien. Alors, est-ce que j'ai des actions de héros attaque? Oui, je suis quand même heureux que si je veux en faire une... Alors j'hésite, hein. Tag team, c'est des dégâts directs qui ne vont pas avoir riposte. C'est plutôt une bonne chose. Et très peu de chances que je puisse jouer rayon photonique derrière directement. Bon, alors je vais jouer tag team. Ah ben non, parce que si je passe en Carol Danvers, je ne pourrais pas jouer rayon photonique. C'est une certitude. Donc je vais jouer rayon photonique. Je dépense une... ressource énergie. Donc rayon photonique, infligez 5 dégâts à un ennemi. C'est une action d'attaque de héros. Donc je vais subir riposte 1. Donc Claw passe à 10 points de vie. Je prends un dégât, je n'ai plus que 4 points de vie. J'ai utilisé une ressource énergie pour jouer cette carte. Je peux piocher une carte. Assaut à placard. Ok. Je vais passer sous la forme Carol Danvers. J'utilise commandante pour piocher une carte. Ah ben voilà, l'énergie canalisée, mais c'est un petit peu tard. Oh, mais j'ai la possibilité de défausser son corps de son solidifié. C'est action de héros. Ah, c'est dommage. Ah, c'est dommage. Je vais pouvoir jouer mon tag team. 1, 2, 3. Je joue tag team. Alors, on va y aller à la course maintenant. On va essayer d'aller le plus vite possible finir les dégâts de Claw. C'est l'idée. Il va manigancer ce tour-ci. Ah non, il est désorienté. Il est désorienté, donc je suis tranquille en fait. J'utilise Tag Team. Hop, je mets 2 dégâts. Plus que 8 points de vie. Bon, manifestement, au niveau timing, je suis plutôt bon. Mais on ne sait jamais ce que le deck de rencontre peut nous réserver. Je vais utiliser la récupération de Carol Danvers. Je passe à 8. Reste à savoir, est-ce que je fais quelque chose avec Spider-Woman ou pas? Non. Je n'ai rien à faire avec elle pour l'instant. Fin de mon tour, je repioche 6 cartes. 1, 2, 3, la fin du deck arrive. 4, 5. Il en reste une. Ouf.
Ah, l'énergie canalisée avec des icônes, des ressources d'énergie. Ah, c'est plutôt bon, c'est plutôt bon signe. Je redresse tout. Et alors, on avance de 1 ici. Hop, 5 sur 6. Klo est désorienté, donc il est censé manigancer. Je défausse cette carte à la place. Et cette fois-ci, 2 cartes de rencontre. Alors ça, c'est beaucoup moins. La première, manipulation du sceau. Je suis en alter ego. Klo se soigne de 4 dégâts. D'accord. Voilà qui va un petit peu prolonger la partie. Il repasse à 12. Mais c'est pas bien méchant. Le tourbillon. Ah, un sbire. 2 d'attaque, 6 points de vie. Interruption forcée quand le tourbillon vous attaque, résolvez également son attaque contre chaque autre héros. Bon, ça c'est pour le multi, ça ne me concerne pas. Ok. Très bien. Alors, début de mon tour, 12 points de vie. Alors, 8, j'aurais peut-être pu les faire tout de suite. 12, là je n'en suis pas du tout certain. Je vais d'abord faire commandante, piocher la dernière carte de mon deck. Est-ce que j'ai la possibilité de faire les 12 qui restent? C'est ça la grande question. Si je peux faire les 12, c'est gagné. Avec énergie canalisée, ce que j'ai en main, je peux faire 6, Tag Team 8, Spider-Woman 10 et Captain Marvel 12. Donc en principe, c'est. J'utilise Carol Danvers, hop. Ouh, je chope un génie, c'est excellent. Bon, j'ai une carte de rencontre. Je ne suis pas obligé de vaincre le sbire, hein? Il n'y a aucune obligation. Eh bien, énergie canalisée, c'est gratuit. Je dépense 2 ressources énergie et une ressource libre qui peut être utilisée pour n'importe quelle autre ressource pour mettre 3 jetons sur énergie canalisée. Je switch en mode Captain Marvel. 1, 2, 3 ressources pour jouer un uppercut. Action de héros, attaque, infligez 5 dégâts à un ennemi. Klo passe à 7. Riposte 1, je passe à 7 également. Tag team, boum, il passe à 5. Et je défausse mon énergie canalisée. J'affiche 2 dégâts par jeton énergie sur cette carte à un ennemi. Jusqu'à un maximum de 10 dégâts. Klo passe à 0. Et c'est une victoire. Voilà. Eh bien, ça s'est extrêmement bien passé. Ce Captain Marvel est quand même vraiment très 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 fort. C'est quand même un héros qui, dès le début de partie, est capable d'un peu tout. Un peu tout faire, donc c'est bien bien pratique. Et l'aspect agression, ben, pour gérer les sbires, c'est quand même bien. Hein, donc je crois vraiment que c'est une très très belle combinaison que nous avons ici. Et donc voilà, hein, ça vous montre aussi à quel point en solo ce jeu il est dynamique, rapide. Voilà, la partie a duré 30 minutes. Et bien voilà, donc je suis plutôt content. L'étape n'a même pas passé, la manigance principale n'est même pas passée à l'étape 2. Alors, avez-vous trouvé que cette partie était trop facile? Je serais quand même curieux d'avoir votre avis. Avez-vous trouvé que c'était trop facile? Ou bien est-ce que vous avez l'impression qu'il y a quand même eu un peu de challenge, un petit peu de nécessité de faire des choix? Ou bien c'était vraiment trop obvious et que c'était vraiment très facile? Voilà, j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus. N'hésitez pas aussi à partager votre avis et à montrer, et à demander aussi les prochains decks que vous souhaiteriez voir sur cette chaîne, hein, le super-héros et l'aspect que vous aimeriez voir face à un autre ennemi, que ce soit Klo, Ultron ou pourquoi pas un Rhino expert, que sais-je. Voilà, donc merci à tous. Si vous avez apprécié cette partie, ben, montrez-le nous. Et si vous n'êtes pas encore abonné, bien abonnez-vous pour ne manquer aucune des nouvelles vidéos de Marvel Champions. Allez, salut, à bientôt.